So welcome to this panel entitled Tactics of Localities with two speakers, philosopher Joël Zask, whose presentation will focus on de la culture de la terre aux pratiques démocratiques, and sociologist Isabelle Couton, whose talk is entitled The Migrant Crisis at Your Doorstep. Joël Zask is professor of philosophy at the Université de Provence. She is a well-known specialist in France of John Dewey's philosophy. In addition to translating and editing several works of John Dewey into French, Joël Zask has written numerous scholarly articles and published several books on the American philosopher and pragmatism, L'opinion publique et son double, more recently, Introduction à John Dewey. She's been also using the conceptual tools of pragmatist philosophy to think about contemporary politics, democratic forms, and their relationships to the world, the physical world. In the spirit of Dewey, she's written on participation versus representation, Participer, Essai sur les formes démocratiques de la participation, and more recently, Quand la place devient publique, published with Le Bordelot in 2018. She has also focused on arts and politics and published a book on public art, or outdoor art, as she calls it, Outdoor Art, La sculpture et ses lieux, published with La Découverte in 2013. Her most recent book focuses on mega fires, Quand la forêt brûle, Penser la nouvelle catastrophe écologique, and it just appeared with Premier Parallèle this year, in 2019. But if I interpret the title of her presentation today correctly, she will be focusing on the book that she wrote in 2016, La démocratie au champ. It appeared with La Découverte. And in the book, she argued that the values and practices associated with democratic freedom primarily come from the farm. And by farm, she doesn't mean just the peasant rural world, but she also has in mind different kinds of land cultivation, including urban community gardens. So I believe this is will be the focus on your talk today. I'll now introduce Isabelle Couton, who is a sociologist and a researcher at the CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, where she specializes in urban sociology and uses ethnographic methods. She focuses on Paris and its outer rings, and she studies the working classes, I'm using the plural, their experience in increased precariousness. She's done quite a bit of work of young working class people and about their dealings with the justice system. That was the topic of one of her first books, D'élite de jeunesse, published with La Découverte in 2005. Their dealings also with the mental health sector, Trouble en psychiatrie, which appeared with La Dispute in 2012. So that's an aspect of Isabelle's work. She's also done work on the relationships between different fractions of the working classes at the local level. Her very first book, Politique du squat, which appeared in 2000, explored local political and social conflicts about a squat in Paris. She also co-edited a really groundbreaking book in French sociology about a housing development in suburban Paris, which explored the strained relationships between residents and migrants. The book has been translated into English and published with Berghain Books as The France of the Little Middles in 2016, I believe. In your most recent book, Isabelle, which you will present today, Les Migrants en bas de chez soi, The Migrant Crisis at Your Doorstep, which appeared with Le Seuil in 2018, you expand your inquiry into conflicts between different fractions of the working class by looking at the social conditions of tolerance and intolerance vis-à-vis the new inflow of migrants in Paris. So this is what you'll be talking about. You each have 25 to 30 minutes, and I'm now happy to turn the floor over to you, Joël. Merci de votre présence parmi nous. Merci de cette invitation. Je vais parler en français. Je crois que ce sera plus confortable pour l'auditoire en particulier.
pour moi aussi. Voilà, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir convié à ce panel sur la démocratie, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je me suis interrogée, sur lequel je me penche depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et je dois avouer d'ailleurs qu'il y a comme une évolution assez favorable finalement, comme le disait d'ailleurs au départ la présentation. Il est vrai que la démocratie avait plutôt mauvaise presse, je dirais, il y a 25 ans, et que c'était un terme avec lequel la philosophie était quand même largement fâchée, puisque finalement, la démocratie était quand même beaucoup rapportée ou reliée à une certaine vision libérale et une certaine vision impérialiste ou une certaine vision de droite et conservatrice qui, empêchait de voir quel était le potentiel finalement libérateur, émancipateur, à la fois individualisant et socialisant, qui était inclus dans le patrimoine historique de la démocratie. Moi, c'est vraiment ce patrimoine historique qui m'a beaucoup intéressée. Et là, aujourd'hui, effectivement, je vais parler de la démocratie dans les termes d'un jardin partagé. Et je pense que c'est une manière, un peu que j'ai découverte en cours de route, mais une manière de solidariser les théories démocratiques et les pratiques démocratiques. Et j'ai envie de dire les pratiques de terrain, hein, puisqu'il s'agirait de cultiver la démocratie, de même qu'il s'agirait de démocratiser la culture. Et l'ensemble, enfin bon, il ne s'agit pas que de métaphores, hein, loin de là, il s'agit vraiment d'une manière, moi personnellement, qui suis aussi un peu maintenant débitrice à l'égard de ce qu'on appelle le tournant spatial, c'est quelque chose qui me semble vraiment important que de ramener la démocratie en quelque sorte du ciel des idées où elle a pu se développer à une pratique partagée, bien concrète, avec une réflexion sur les conditions de cette pratique. Et je crois que le jardin partagé, ce qui était le cas d'ailleurs originellement, c'est ça qui est assez frappant, et c'est justement le jardin partagé peut être à la fois une image, une réalité, un symbole de cette démocratie théorico-pratique ou pratico-théorique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé? Alors le jardin partagé est une forme, d'abord, une forme qui est tout à fait universelle, qu'on retrouve en tout temps et en tout lieu, et c'est étonnant, je l'ai découvert au fur et à mesure de mon travail, et qui se compose de la manière suivante. Il s'agit d'un terrain, on va dire, d'un terrain commun, subdivisé en parcelles individuelles. Alors, il y a toutes sortes de termes et d'échelles qui vont caractériser cette forme générale. Mais on peut imaginer, d'abord en termes d'échelle, on peut imaginer des très petits jardins partagés. C'est le cas, par exemple, du jardin partagé de l'école Montessori, qui était un jardin qui faisait une centaine de mètres carrés et qui était subdivisé en parcelles d'un mètre carré. On peut imaginer, d'ailleurs, des jardins encore plus petits, puisqu'aujourd'hui, avec toutes sortes de formules de verdissement et de végétalisation des toits ou des rues, on arrive parfois à des formes encore plus petites, c'est-à-dire effectivement à parfois des parcelles qui font 20 mètres carrés, qui peuvent être subdivisées en tout petits éléments, c'est le cas par exemple d'un jardin partagé qui se trouve dans le jardin Villemain à Paris. Bon, c'est un exemple, mais il est vraiment tout petit, mais subdivisé en parcelles individuelles. Et cette subdivision, évidemment quelque chose qui m'intéresse fortement et qui peut résonner d'ailleurs par rapport à des exposés de ce matin, concernant le pronom personnel et le rapport entre les pronoms, justement, et les noms. Donc, voilà. Ensuite, vous avez, en revanche, je pense, comme Gilles Clément parle d'un jardin planétaire, je pense qu'on peut aussi imaginer le jardin partagé à l'échelle planétaire. C'est d'ailleurs un petit peu la vision américaine, initialement. Hein. Il faut savoir, il me semble en tout cas, que Jefferson, qui est un immense partisan d'une démocratie, alors je dirais pas exclusivement agraire, mais qui trouve dans le personnage du cultivateur ou du farmer, plus exactement indépendant, la source même des valeurs démocratiques et le modèle du citoyen le plus vertueux, dit-il. Donc Jefferson, lui, a vraiment dédié en quelque sorte le gouvernement fédéral et son premier acte à la distribution des lots de terre. Hein, c'est très important. Donc toute l'Amérique
Alors, au départ, on peut reprendre Locke, le monde, au départ, était comme une Amérique. Mais en fait, cette Amérique, elle est planétaire au sens où elle joue à la fois le rôle de terre promise, mais en même temps comme réserve de l'eau de terre qui peuvent être distribuées sans que la terre manque ou puisse manquer à quiconque, à chaque nouveau venu, en quelque sorte. Et après, bon, dans le New Deal, plus tard, évidemment, la formule a été reprise, puisque chaque... disons que le mode de vie américain a été couplé à l'idée d'une dotation qui est comme un revenu minimum d'insertion sociale, en quelque sorte, qui était 4 acres et un âne, hein. 4 acres and a donkey. Enfin, ça, c'est le, voilà, c'est ça le premier acte, le premier... La première raison d'être, en quelque sorte, de l'État fédéral, ça n'est pas de protéger la propriété privée, c'est de distribuer des lots de terre. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel pour comprendre un aspect oublié de la démocratie américaine, enfin, qui était assez cher à Tocqueville, mais et à Jefferson en particulier, avant lui, mais voilà, qui ensuite est passé largement à la trappe sous l'effet, je dirais, tout simplement de la plantation. De la vision physiocratique de l'Amérique et de l'Europe en général et de l'économie, qui a entièrement supplanté justement cette philosophie du paysan indépendant. Donc on a des échelles extrêmement différentes, mais ce qui est important, c'est que le jardin partagé, justement, ici, là j'insiste un tout petit peu, se propose en quelque sorte comme une combinaison entre de l'individuel, alors moi je ne vais pas utiliser les pronoms « je »,« nous », ni on d'ailleurs, qui est un pronom qu'on pourrait peut-être envisager. Ni le je ni le nous, mais en tout cas de l'individuel et du social. Alors j'insiste un tout petit peu parce que justement, en tant que spécialiste du pragmatisme, j'ai été très habituée à cause de la, disons, la psychologie sociale, à cause de l'interactionnisme, à cause de l'évolutionnisme darwinien qui n'est pas spencerien à cause de tout ce background en quelque sorte, d'imaginer qu'il n'y a pas d'individu sans société et qu'il n'y a pas de société sans individu. Et donc ce qui m'intéresse toujours, c'est non pas l'individu et la société, non pas l'individu et le groupe, mais d'une part, quel est le mode de gestation en quelque sorte du groupe qu'on considère, est-il statistique, est-il communautaire, est-il interactif, est-il transactionnel, est-il agrégatif, quelle liberté donne-t-il aux individus, comment se communique-t-il aux individus de telle manière que ceux-ci vont grandir, et puis l'individu lui-même, est-il un passager clandestin, est-il un contributeur, est-il un participant, est-il un profiteur, est-il un exploiteur, est-il, bon, etc., etc. Donc, je vois, c'est vraiment ces relations-là, et clairement, je trouve que le jardin partagé exprime quelque chose de fondamental dans la démocratie telle qu'elle existe historiquement, à savoir, disons, la question récurrente, transversale, qui va avoir un champ d'application à la fois économique, politique, morale, psychologique, éducationnelle, etc., à savoir comment utiliser la force commune pour créer de l'individualité et comment créer des individus qui nourriront la force commune, en quelque sorte. Et ça, cette question qui est au centre, je crois, de la philosophie de John Dewey, c'est quand même le centre de la philosophie démocratique, c'est-à-dire de ce couplage entre ces deux principes de gouvernement qu'on appelle au départ le système américain de gouvernement, d'ailleurs, dès 1787, pardon, et qui consiste justement dans l'association entre le... Alors, je ne vais pas du tout développer là, entre le système du gouvernement limité, le principe de limitation du gouvernement, d'une part, et d'autre part, le principe de la participation du peuple au gouvernement. Donc, ce couplage-là, justement, est comme un jardin partagé. Je dirais, c'est vraiment comme un jardin partagé. Alors, je vais dire... je n'ai pas regardé ma montre au départ, pardon. Voilà, donc... 9 minutes. Donc, ça fait 9 minutes que je parle. Hein. Ça ne fait pas qu'il me reste 9 minutes. Ça fait 9 minutes que vous parlez. Ok, merci beaucoup. Donc il y a aussi, donc je vais insister un tout petit peu sur la dimension individuelle du jardin partagé. Avant d'ailleurs cette dimension individuelle, si vous voulez, on va la retrouver dans toutes les formes existantes de jardin partagé. J'en cite un certain nombre. Ici à New York, c'est très important. Dans les années 70, apparaissent ce qu'on appelle les community gardens, sous d'ailleurs un peu la conduite d'une artiste qui commence par jeter des bombes de graines pour ensemencer des parcelles inoccupées, des délaissées, comme on dit aujourd'hui, mais par ailleurs qui va aussi
disons, occupé, et c'est vraiment un occupy, je crois que là, je n'aurais pas le temps de développer, mais il y a dans le jardin partagé un mouvement d'occupation, évidemment, qui est couplé avec un mouvement qui consiste à s'occuper d'eux et qui n'a rien à voir avec une appropriation et qui n'a rien à voir avec la propriété. Enfin, si j'ai le temps d'en parler, j'y reviendrai après. Donc, là, en l'occurrence, donc, il s'agit de occupy, mais pas au sens d'une occupation. Une occupation, d'ailleurs, qui peut être tout à fait musclée. Et cette occupation consiste non pas à approprier, accaparer, genre land grabbing, comme ça va se développer jusqu'à aujourd'hui, avec notamment les multinationales ou d'ailleurs les formes collectives plus anciennes. Mais en tout cas, non, plus, disons que l'occupation est liée à, je dirais, un ensemencement. Simplement, ou à une plantation, à un système de faire pousser des plantes de manière à assurer la subsistance, le vivre ensemble, la relation avec la nature, l'insertion urbaine, le fait de donner un sens à sa vie, le fait d'entrer en relation avec d'autres, etc., etc. Et notamment le fait d'entrer en relation avec des plantes. Alors vous avez le community gardens, les community gardens qui ont d'ailleurs subi beaucoup de contraintes et beaucoup qui ont suscité beaucoup d'opposition, notamment de la part du très puissant Moses, qui a sévi à New York pendant de très très nombreuses années. Mais vous avez aussi, par exemple, en France, le système des jardins ouvriers et familiaux. Vous avez des plantages en Suisse. Vous avez le système, par exemple, du jardin partagé qui est tout à fait énorme. Dans la Russie tsariste, puis finalement qui s'est conservée à travers toute la période communiste et stalinienne, et qui aujourd'hui, évidemment, est florissant. Il en va de même dans toute l'Europe méditerranéenne. Il en va de même, d'ailleurs, en Angleterre et dans tous les pays du Nord. Il en va de même en Amérique latine, avec un épisode extrêmement touchant dans les années 1890 qui s'appelle Cañuedoc. Et Cañuedoc, qui est une province de Bahia, où vont affluer des dizaines de milliers de laissés-pour-compte, des femmes battues, des nègres jauns et des nègres bruns, enfin, je ne sais plus comment on dit, enfin, des esclaves affranchis, des travailleurs sans travail, etc., des paysans sans terre, et tous vont affluer pour former finalement la plus grande, d'ailleurs, la plus grande population urbaine, en quelque sorte, la plus grande agglomération du Brésil à l'époque. On est en 1890-1900. Et sous la forme justement d'un jardin partagé, sous la forme d'un terrain qui n'appartient à personne et qui donne lieu finalement à une espèce de partage qui à la fois est placé sous la responsabilité des individus et en même temps producteur en quelque sorte d'un vivre ensemble et d'un sens commun extrêmement développé, c'est-à-dire qui est l'enjeu d'un ce qu'on pourrait appeler tout simplement un autogouvernement. Alors, je dirais très rapidement maintenant, en ce qui concerne la dimension purement, enfin, plus spécifiquement individuelle, ça me semble important d'insister sur justement la relation dialogique qui s'établit entre le fait de cultiver la terre et le fait de grandir. Alors, je crois que la culture, d'ailleurs, Déméter est là pour en témoigner, cette déesse de la culture au sens de civilisation et de l'agriculture, c'est-à-dire le fait de cultiver est une forme de civilisation qui introduit en quelque sorte au développement de soi en même temps qu'à l'acquisition, je dirais encore une fois, très négociée, très dialogique d'un patrimoine commun. Et en l'occurrence, alors je vais vous donner un exemple qui est encore plus ancien, c'est Adam. On peut se demander, mais que fait Adam à Éden ? Et c'est intéressant de voir que justement, là en l'occurrence, quelque chose du jardin partagé est déjà en train de naître, puisque Adam forme une communauté avec le jardin. Le jardin, c'est une multitude, c'est une multiplicité. Et ce n'est que dans la mesure où Adam, d'une certaine façon, respecte, encourage la multiplicité du jardin, que lui-même peut devenir l'origine d'une multiplicité d'êtres, c'est-à-dire d'une très nombreuse descendance. Alors, on se demande, voilà, que fait justement, c'est dans le troisième chapitre le troisième chapitre du premier livre de la Genèse, et où là, en fait, Dieu
dit, enfin, je dis les choses très schématiquement. Donc, Dieu a créé déjà Adam, il le prend, il le met dans le jardin. Et pourquoi le met-il dans le jardin ? Il le met dans le jardin pour qu'il cultive le jardin et en même temps pour qu'il le garde. Et ça, je crois que c'est vraiment l'énoncé le plus direct de ce qu'on pourrait appeler l'écologie politique aujourd'hui, hein, et en même temps démocratique. Donc, c'est-à-dire que c'est en, là, je ne peux pas m'étendre, mais clairement, c'est en cultivant le jardin que Adam va développer en quelque sorte son humanité, qui n'est ni féminine ni masculine, hein, qui est à la fois homme et femme, enfin, qui n'est pas genrée et qui n'est pas sexuée non plus. Donc, c'est en cultivant le jardin qu'il se cultive d'une certaine façon. Cette culture du jardin est précisément la condition de sa subsistance, c'est-à-dire sa croissance, et en même temps, c'est en cultivant le jardin qu'il le garde. C'est-à-dire qu'il est le gardien du jardin dans la mesure où il veille en même temps, c'est ce qu'on appellera d'ailleurs le Shabbat de la terre, c'est absolument magnifique comme expression, mais c'est parce que, disons, c'est la manière qu'il a de produire sa subsistance est en même temps une manière de veiller en quelque sorte à l'autonomisation, l'indépendance du jardin et à la reproduction, à la complétion de ses rythmes. De ces rythmes indépendants. Donc le garder, c'est-à-dire le protéger, assurer son renouvellement et également son indépendance vis-à-vis du service qu'il rend en tant que substrat de la subsistance humaine. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui est fondamental et qui va être repris d'ailleurs dans le vocabulaire ou la grammaire américaine de la démocratie, il me semble, en tout cas qui est très présent chez Jefferson, mais aussi qu'on peut réfléchir aujourd'hui, qu'on pourrait presque réinjecter, par exemple, dans des modèles de permaculture ou dans des modèles de retour, alors je ne pense pas que ce soit un retour, ce que je voudrais dire d'ailleurs, c'est une toute petite parenthèse, mais c'est que cette forme de jardin partagé qui aujourd'hui a reçu pour nom l'agriculture familiale et traditionnelle, si on consulte les textes de la FAO par exemple, la Food Administration, et là en l'occurrence représente jusqu'à aujourd'hui 80% de l'alimentation mondiale, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle crée de la famine, ça on le sait maintenant, mais en plus est très, enfin, disons, n'apporte que 20% des ressources alimentaires qui ne sont pas en plus nécessairement des nourritures, qui sont plus des aliments que des nourritures, et le découplage là est important à considérer. Alors, ce qui m'a intéressé avec Adam, c'est pas pour faire de l'exégèse biblique, mais ce qui m'intéresse, c'est que justement Adam, c'est vraiment le paysan au sens où il est à la fois le jardinier du jardin et le cultivateur du jardin. Il travaille le jardin, il le laboure, enfin, si on veut reprendre des termes plus latins, mais en même temps, il en est le jardinier, il l'embellit. Et la dimension esthétique, d'ailleurs, de la paysannerie est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et donc, c'est vraiment cette figure-là qu'on va aujourd'hui rencontrer, je pense, dans toutes sortes de manières d'habiter qui inclut la création d'un jardin partagé, que ce soit d'ailleurs sur une place, hein, ça a été le cas, il y a eu des tentatives à Zuccotti Park, en tout cas il y en a eu à Place de la République qui ont échoué immédiatement lors des mouvements d'occupation, de Nuit Debout, mais qu'on retrouve aussi bien sûr dans les ZAD, qu'on retrouve un petit peu partout. Donc l'idée le jardin partagé, à mon avis, est véritablement un outil politique qui offre une alternative par rapport au système d'appropriation traditionnel d'une part, mais par rapport aussi au système, au système de mise en tension de l'individuel et du commun. Donc voilà pour l'expérience, enfin, je dirais au niveau individuel, bon, là on pourrait parler des jardins pédagogiques, notamment issus de la philosophie de Maria Montessori, on peut parler des jardins thérapeutiques aussi, qui deviennent un service hospitalier à part entière à partir des années... des années 46, en fait, lors du retour des vétérans, 45-46, en particulier aux États-Unis, mais ailleurs aussi, il y en a bien avant, il y avait l'Instituteur des idiots qui avait, en France, dès les années 1860, créé un jardin thérapeutique pour les enfants atteints de troubles psychiques. Donc, l'idée, c'est que, finalement, en cultivant un jardin, en faisant pousser des plantes, d'une certaine façon, on se cultive soi-même, on se répare, hein, on retrouve une santé. On accède à un champ d'expérience qui nous met en relation avec un monde extérieur, avec un dehors de soi, un monde qui n'est pas nous, dont d'ailleurs la condition de possibilité ou de réussite, c'est de reconnaître son indépendance, de reconnaître que, comme le dit Emerson d'ailleurs, qui est aussi un grand héritier, hein, de cette tradition
agraro-démocratique, si on peut dire, ou démocratico-agraire, le paysan, il ne fait pas ce qu'il veut, il est, la nature est son maître, mais en même temps, il transforme le paysage. Et c'est toujours cette alliance entre la transformation du paysage et le fait d'écouter les leçons de la nature qui est notre maître, qui me semble être très adamique d'ailleurs, mais en même temps exprimer quelque chose d'absolument fondamental de la démocratie, ou de l'idéal démocratique, ou des valeurs démocratiques, y compris d'ailleurs dans la relation entre l'égalité et la liberté. Et puis, alors, quant à la dimension commune, là, ça me semble important aussi. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé, enfin, ou en tout cas accordé de l'importance à la distinction entre collectif et commun depuis très longtemps. Et bon, pour toutes sortes de raisons que je laisse ici de côté, mais j'ai retrouvé avec le jardin partagé justement une communauté qui n'est absolument pas un collectif, parce que précisément, historiquement, il existe des jardins collectifs. Et ces jardins collectifs n'ont absolument pas les vertus démocratiques que on peut découvrir dans le jardin partagé. Alors, le jardin collectif, il y en a de deux sortes, il y en a même de beaucoup de sortes, enfin, je vais schématiser. Vous avez le jardin, je dirais, collectif de gauche, et puis le jardin collectif de droite, c'est-à-dire le jardin collectif issu du capitalisme d'État, c'est-à-dire le kolkhoz en particulier, mais c'est aussi le jardin, alors est-ce un jardin, le jardin collectif chinois, qui a d'ailleurs signé l'arrêt de mort de la paysannerie chinoise. Staline, lui, d'ailleurs il y a comme une énorme compétition entre les Russes et les Chinois en ce qui concerne justement la transformation du jardin partagé, qui était le système du MIR russe, en ferme collective productiviste et industrielle. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, le jardin collectif fonctionne sur la base, un peu sur la base de l'enclosure, en fait, qui est un système extrêmement ancien, qui date déjà du tout début du XVIe siècle, peut-être même avant. En tout cas, le système des enclosures est un système d'accaparement que Locke, il faut le dire, avait entièrement prohibé, enfin, qu'il n'envisage pas, puisqu'il conditionne l'appropriation de la terre à la possibilité de la cultiver, d'une part, de ses mains, sans employer des esclaves ou des ouvriers agricoles ou ce qu'on appelle les mercenaires. Donc, non, de cultiver soi-même et de cultiver, en plus, il conditionne l'appropriation de la terre ou la justification de la propriété privée, si vous voulez, à la production de la subsistance nécessaire à l'individu, à sa famille, jusqu'à ce qu'apparaisse cette petite, cette monnaie, cette petite pièce jaune qui va être évidemment, qui va faire capoter en quelque sorte la juste répartition des lots de terre entre les humains. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire ici, c'est que la forme collective, elle peut être, disons aussi bien de forme, je dirais, kolkhozienne, que la forme la plus dominante, évidemment, aujourd'hui, qui est la forme de la multinationale. Moi, je l'ai beaucoup étudiée dans mon dernier livre, à travers le système des plantations, parce qu'il y a forêt et forêt, de même qu'il y a jardin et jardin, évidemment. Le système de la plantation est vraiment indexé sur une pratique d'accaparement des ressources naturelles, d'accaparement de la forêt, accaparement qui va se traduire par la disparition de la forêt traditionnelle, qui a une diversité, qui est une pluralité, là encore, et par son remplacement par, disons, une essence unique, une uniformisation, qui est à la fois une uniformisation des pratiques, une uniformisation des essences, une uniformisation des statuts, et, disons, une uniformisation de l'ouvrier agricole, qui est évidemment le premier ouvrier de l'histoire, le premier prolétaire de l'histoire, le paysan sans terre. Donc, j'oppose, on peut opposer justement au jardin collectif de manière extrêmement précise le jardin communautaire, le jardin partagé, où là, le commun n'a plus rien à voir. Si vous voulez, c'est le commun, ça n'est pas du collectif. Et d'ailleurs, il y a jusqu'à aujourd'hui, c'est intéressant de le voir, il y a des jardins collectifs, c'est-à-dire des gens qui pensent que pour lutter contre l'individualisme dissolvant, prétendument nécessairement lié au libéralisme démocratique, il faut tout mettre en commun, ou plus exactement collectiviser. Et donc là, c'est des jardins partagés qui marchent plutôt mal, d'une manière générale, parce qu'ils sont généralement victimes du
ce mécanisme bien connu du passager clandestin avec Walser. Il y a un problème pour se séparer, il y a un problème pour s'unir, il y a un problème pour répartir les... et puis finalement, il y a de l'administration. Voilà, dès qu'il y a du collectif, il y a de la bureaucratie, et cette bureaucratie, elle est très problématique. En ce qui concerne, là je ne rentre pas dans les détails, à la fois la répartition, l'économie et le gouvernement politique du jardin commun. Alors je dirais que la communauté, elle va se marquer de mille façons différentes, je vais très vite, mais en particulier depuis par exemple la guerre des paysans allemands en 1500 et quelques, vous avez des chartes, vous avez des 12 points. Là, les paysans allemands qui vont être sauvagement réprimés d'ailleurs, par Luther, ces paysans, eux, se fient à une espèce de mélange entre une espèce de préconstitution et d'évangile, qui est justement ce qu'on a appelé les 12 points. Et les 12 points sont absolument magnifiques. Aujourd'hui encore, tous les jardins partagés, si vous voulez, fonctionnent sur la base de conventions, de chartes. Comme le dit Ostrom, si vous voulez, pour avoir un commun, il faut un gouvernement commun. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit décidé en commun, qui soit gouverné en commun, et que les avantages et les inconvénients soient aussi répartis en commun, etc. Donc chacun son lopin, mais en même temps, il y a toutes sortes de choses qui sont mises en commun. Alors aujourd'hui, pour prendre des exemples actuels, vous avez bien sûr des composts, vous avez des semences, des échanges de semences, des échanges de plants, vous avez bien sûr des lieux de formation, des lieux d'accueil des publics, vous avez toutes sortes de choses. Alors vous avez aussi beaucoup de pédagogie, et en l'occurrence, le découplage justement entre le jardin communautaire et le système de la propriété est extrêmement frappant. Parce que là, ça donne des solutions très très concrètes, hein. des solutions si concrètes qu'il arrive même avec, par exemple, les incroyables comestibles, qui est un autre exemple de jardin partagé plus dispersé en quelque chose, mais qui existe maintenant à l'échelle de la planète, où ni les bacs ou les zones cultivées n'appartiennent à personne, mais pas même les fruits sont accaparés ou sont appropriés, si vous voulez. Les fruits sont pour tout le monde. C'est « pick it up, it's free, it's for you ». Enfin, alors, évidemment, c'est une manière de lutter contre la malbouffe et l'obésité et toutes les maladies liées dans un pays, puisque le système incroyable comestible a démarré à une petite localité qui s'appelle Todd Morden, qui est au sud de Manchester. Et les dames qui inventent le système disent « ça ne va pas chez nous, les enfants pensent que les aliments qu'ils mangent poussent sur les étagères des supermarchés ». Donc là, il y a un problème pédagogique, mais également économique. J'insiste pas, mais je veux dire, le jardin partagé joue un rôle économique absolument majeur. C'est le cas dans les community gardens qui naissent du côté de Bury, etc., qui sont des quartiers pauvres. Et c'est les pauvres, c'est les quartiers de la drogue. Le jardin partagé, il est aussi là pour mettre l'enfant en dehors de la rue et le mettre à l'abri des drogues. Et aussi pour compléter cette expression est horrible, le panier de la ménagère. Mais en fait, en l'occurrence, le jardin apporte aussi un complément absolument essentiel en termes de légumes frais ou de fruits frais à l'alimentation des gens qui n'ont pas de moyens. C'est le cas un peu partout, hein. Je veux dire, même dans la Russie soviétique, puisque Staline a eu la bonne idée de ne pas détruire le système du jardin partagé, après avoir tenté de le faire pendant à peu près un mois, il est revenu sur sa décision. Et pendant cette période, d'ailleurs, finalement, les matériels des kolkhozes va surtout servir à alimenter ce qu'on appelle le marché des kolkhoziens, ou le marché kolkhozien, qui est en fait un marché de jardin partagé qui apporte jusqu'à 95% des produits frais. Et encore aujourd'hui, en Grèce, c'est pareil. Je veux dire, si on dit que les Grecs ont surmonté la crise, bon, ils l'ont traversé grâce au jardin partagé. C'est un secteur extrêmement, extrêmement vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces usages communs, si vous voulez, créent une espèce d'équilibre enviable, je dirais, justement, entre ce qui relève du communautaire ou ce qui relève de la participation individuelle à du commun, mais ce qui relève aussi des organes, y compris matériels, économiques, de mise à distribution des ressources communes en vue, justement, de la formation de l'individu, de l'individualité, de la croissance, en quelque sorte, à la fois des plantes, des individualités concernées, mais de ces individualités via la croissance des plantes. Je vous remercie. In the summer of 2015, in the midst of the European refugee crisis, hundreds of migrants occupied a disused high school in the multicultural and working class neighborhood of Place des Fêtes in northeast Paris.
These migrants were mostly men, the majority from Sudan, Eritrea and Afghanistan. This mini-Calais had become the rival destination of migrants in the French capital. Initially tolerated by the city of Paris, it has been self-managed with the backing of a collective of supporters for 3 months. It was as a resident and parent of a student that I first faced this situation. My son was entering sixth grade in the middle school immediately next door. From his classroom, he had a view of what was happening there. As a mother, I was concerned. I had mixed feelings, from compassion for the migrants, fear, and anger toward the public authorities who allowed a squat in a neighborhood like that, already neglected. As a sociologist, I decided to investigate the way the neighborhood was reacting to this event, a study of them, the migrants, and of us, the residents. It seemed to me that here was a quasi-experimental situation, allowing for an analysis of what was also happening more widely across Europe, a sudden and perceived as massive arrival of refugees without evident public policy to receive them. What makes some people engage with migrants while others reject them? Do these tensions threaten our democracies? As much as it has been divisive, the question of migration has made democracy work from below. On the one hand, in the attempts of migrants to self-organize, on the other hand, in the involvement of residents who have been both anxious to welcome and to preserve their neighborhoods. A neighborhood which has long been characterized by contact, mixing, that is first step of democracy understood as a need to deal with others, as we are reminded by Marielle Massé in her essay dedicated to the migration crisis. First, I will explain how democracy worked inside the occupied building and what difficulties it met. The occupation of the deserted high school was a continuation of a mobilization that began on the sidewalks of the 18th arrondissement of Paris under the elevated railway of the La Chapelle metro station. A makeshift camp had formed there, mainly bringing together Sudanese and Eritreans. The reception mechanism for asylum applications being overloaded, they had no other choice but to wait on the street. On June 2015, this camp was brutally dismantled, and some residents witnessed to police violence organized a collective together with the migrants. In an opinion piece appearing in the newspaper Le Monde, these residents commented on the absurdity and cruelty of the situation. They wrote, "It breaks them, and it also breaks us as citizens." Camps then reformed, mobilization grew, and general meetings translated into different languages were organized on the streets. A Facebook page was created. Relations between the collective and the city of Paris were tense, as were those with the traditional immigrant aid associations. The collective accused them of inaction and collaboration with a deficient and abusive state. In occupying the abandoned school in the Place des Fêtes, this group demanded the creation of a house of refugees, which would be a place of first reception for new arrivals. Afghans coming from other camps joined the Eritreans and the Sudanese. Rooms were divided by nationality and even by ethnicity. Each community had elected a representative and each room had its delegate. The Afghan representative played an important role because he was the only one able to speak with everybody. In addition to different languages of Afghanistan and English, he spoke Arabic. The occupation rapidly attracted a good deal of media attention. Hundreds of volunteers, often young students, came from around the region to help with site maintenance and offer French classes, legal advice, nursing services, and assistance. For these young supporters, the occupation was a moment of politicization. Contacts were made with top-ranking higher education establishments, grandes écoles, and universities to enroll asylum seekers whose studies had been interrupted, independently of their legal situation, and sometimes counter to administrative advice. This self-management worked relatively well for the first months, but then proved difficult with the increasing number of occupants and the tensions that began to rise within the collective. More than 100 new people arrived each week. The multiplication of donations
thanks to media coverage, attracted other occupants and fed trafficking. And the people living close by were helpless witnesses to the worsening situation. I will present later local residents' diverse reactions, but to understand them better, let me now say a few words about the political and social local context. The event initially divided the neighborhood and led in the housing block adjacent to the high school to a rift in the tenants' association. A local organization which has obtained from the city of Paris the promise of building a media library in the former high school also experienced intense debates. Most of the residents, whatever their feelings toward the refugees, perceived the decision of the city of Paris as cynical and disparaging. Some said that the city has saved its tourist season by making the migrants invisible. It tolerated them the moment they were hidden within social housing. Place des Fêtes has long been a working-class neighborhood, home to several waves of exiles since the end of the 19th century, and where immigrants today make up 25% of the population. Half of the inhabitants in the area live in social housing. Many are manual or clerical workers, even if the neighborhood is also home to a significant number of middle managers in private housing and in intermediate social housing. The unemployment rate and the number of single-parent families are considerably higher than the national average, and the schools in this neighborhood are underprivileged. Many of the students are also recent immigrants, and a few are undocumented. Indeed, while Paris gentrified during the 1990s, this district experienced a relative downgrade. The thoughts of some of the inhabitants were thus, why do they always put the problems here? Why don't the nice neighborhoods ever do their part? Among the people sensitive to the cause of migrants, many feared an instrumentalization of the situation by the National Front political party, who had, in fact, hastened to distribute mailbox leaflets. Worried, a Green Party representative, family physician in the neighborhood, confided, there could be nothing worse than telling the residents that the media library will not be built because there are the immigrants. I am now getting to my third point about local solidarities. It was in reaction to such concern that in the building adjacent to the occupied high school, on following the split of the tenants' association, a group of residents decided to organize themselves at the intersection of a double cause, that of the migrants, considered as new neighbors, and that of a fragile neighborhood whose cohesion needed to be preserved. This informal group called themselves Solidarité Migrants Place des Fêtes. The aim was to put pressure on public authorities to intervene and ensure decent living conditions for the occupants of the high school. The approach was more pragmatic than that of the La Chapelle collective, much less radical from the point of view of the global refugee cause. It was also about working towards a relative local acceptance of the situation by deconstructing the fantasies and rumors circulating the neighborhood. But the situation continued to deteriorate. It was necessary to ensure sufficient food, prevent fights, manage emergencies. And then it was necessary to organize meetings between representatives of the migrants and the authorities so that they could negotiate themselves the conditions for the eviction that had ordered by the court in view of the safety standards of the site. I became interested in the trajectory of the people involved in this group of neighbors and their reasons for mobilization. Many of them had been touched by looks and words exchanged with the occupants, resonating with their own family histories of exile, that of their parents or grandparents. As if there was something that needed to be mended within themselves in what had been passed down to them. For the most active people in the group, their solidarity commitment formed part of a more general local civic engagement. They were mostly women, with children in the middle school, involved for more than a decade in parent associations. Belonging to the intellectual or artistic classes, they saw their decision to send their children to the culturally mixed and socially disadvantaged public schools of the neighborhood as a political choice. A politics of everyday life, as one of them said, social diversity is not something you theorize, it is something you practice, commented another. In the 2000s, these women had already rallied for undocumented families threatened with eviction, whose children were in school with their own children.
They had also fought a year prior to the occupation of the high school to keep the middle school within the priority education network. The Israeli citizen involvement was thus quickly reactivated when the high school was occupied, helping to explain the group's relative effectiveness. The possession of a strong local social capital helped to defend against the shock of this event and gave the feeling of having a relatively strong grasp of the situation. Together with my study of the residents in solidarity with the migrants, I also wanted to gather the opinions of those with more hostile reactions toward the refugees. I wanted to understand what differentiated these two groups. This is my next part. The hostile neighbors did not express themselves publicly as a collective. Rather, their concern remained confined to corridors and alleys. Perhaps the show of solidarity in the public space prevented them from coming together, obliging a form of political correctness. They were, however, able to articulate their anger on the occasion of the December 2015 regional elections. The Socialist Party was particularly punished in this neighborhood, which also saw an increase in votes for the National Front, the far left, and the Green Party. The concern that these inhabitants must be contextualized relative to their vulnerabilities, be their physical aging for the elderly or social fragility for the most precarious. This vulnerability is accompanied by a comparative isolation from the local scene, in contrast to the social capital of residents who acted to help the migrants. Among the elderly of the Place des Fêtes, who had arrived in the 60s, at the time the buildings were being constructed, there was a feeling of dispossession linked to the weakening of sociability networks due to their aging and to generational turnover. The hostile inhabitants of Place des Fêtes shared a common feeling of their social identity being threatened by the forced cohabitation with the refugees, as if for these people, it was them or us. In giving an account of their experiences, such individuals mobilized images of invasion and destruction. An elderly woman expressed the sentiment that the neighborhood had been raped. A naturalized unemployed woman from Mauritius, age 38, put it in the following terms. We felt invaded. Imagine you built a house, you see the bulldozers arrive. We said to ourselves, if they don't leave, then we will have to. The tragedy is that their arrival put into question our own prisons. To fully understand this perspective, we must consider this woman's fragility since losing her job and her broader history. A miraculous rise, thanks to schooling, from a shack without water or electricity where she lived alone with her grandmother before being able to migrate. Before this investigation into the migration crisis, my research path had already led me to reflect on questions of tolerance or intolerance. I was interested in the ways that perception of the world have shifted among the working classes. In The Uses of Literacy, Richard Hogarth dedicates a chapter to a vision of the world that contrasts the us of the working classes to the them of the bourgeois, the powerful, the officials, and all those who belong to that perceived as the world of others. In this 1950s model, the cohesion of the working classes and their self-esteem rely on this opposition. Yet the destructuring of the working classes due to precariousness and mass unemployment has led to the emergence of what Olivier Schwartz calls a triangular conscience. The them no longer designates only the elite, but also those who are lower than oneself, from whom one must differentiate to avert the risk of falling. Among these are the assisted and often the immigrants or young people of migrant backgrounds. Before concluding, I will quickly analyze what happened after the evacuation of the high school and how democracy continued working after this event. After the evacuation of the high school in late October 2015, the Solidarité Migrant Place des Fêtes group, aware of these local fragilities, decided to continue to invest time and energy in the neighborhood. Many of its members were active in the tenants' associations of their respective buildings
Before then, opening an itinerating community cafe that has met since 2016, once a month in the public space. The aim is to step away from inward-looking attitudes to allow different categories of inhabitants to meet. From a broader perspective, the neighborhood has ultimately emerged stronger from this event. Local associative life has intensified and interrelations have grown in number, constituting a resource for other battles to be fought. As for the former high school, 3 months after the evacuation, it became, by decision of the city, an official shelter for 140 asylum seekers without arousing hostility. It will soon be transformed into a media library and a house of refugees. This will be a place of information, not accommodation. As for the collective La Chapelle, weakened by the tensions that had defined the occupation, it split into 3 groups, 2 migrant aid associations, one of which headed by a refugee, and a new collective, La Chapelle Stand-Up, après la nuit debout. Advocacy has continued in support of other camps that continue to be set up in the north of Paris, even with the opening by the city of a humanitarian center from 2016 to 2018. Another occupation took place in the University of Paris 8, which lasted several months. And recently, the La Chapelle Stand-Up Collective has accompanied the Black Vest Movement, a name inspired by that of the Yellow Vest. They protested deportation at the Charles de Gaulle Airport in May of this year and symbolically occupied the Panthéon in July to claim their rights before being violently evicted. As a way of concluding, I'd like to introduce 2 broader elements for reflection based on this case. The migrant crisis has become a political and moral crisis. It is a crisis of reception policies. It jeopardizes the democracy that, worried by the rise of populisms, abandoned their values. Norbert Elias, who fled Nazi Germany in the interwar period, argued that all groups, all societies operate on logics of exclusion of outsiders by insiders. Yet he believed that the exclusion of outsiders was not inevitable and proposed an alternative, an acceleration of the integration of all. It seems to me that this was the path chosen by some of the inhabitants of Place des Fêtes, obligating a form of political correctness in terms of reception. They were able to contain rejection discourses and divisions. In their own eyes, the neighborhood has benefited and grown, cited as an example in the media. Its symbolic capital has increased and its social capital has intensified. And a more cohesive neighborhood can be expected to all the better ensure its function of integration of new populations. There's a second element of reflection that I'd like to discuss before finishing. The arrival of foreigners is always an intrusion. Otherwise, there would not be foreigners. We are reminded of this by anthropologist Michel Agier in one of his recent books. Intrusion can be scary because the unknown is scary, independent of color or religion. A young middle school student of the Place des Fêtes, immigrant child, black skin, tall, had confided in one of his teachers when the high school was occupied that he felt scared. She asked him why. He replied, "Because they are not like us." It is meeting and directing that allows to overcome fear, and this sometimes must be done with support. Those who have a fragile social identity, who cannot latch onto a solid and rewarding collective, are the most vulnerable when faced with this intrusion that destabilizes the I and the us. Michel Agier also alludes to philosopher Jean-Luc Nancy, who draws a parallel between this heart transplant and the transplant that takes place in the social body when foreigners arrived. His heart transplant did not immediately take. There were rejections, and it took him 2 years to get used to this foreign body. Reflecting on this process, Nancy concludes that he was transformed by this experience, that he is always himself, but that he is also a bit different. I think it is what happened to my neighborhood and its inhabitants too. And I'd like to think that the migrant crisis, which will grow with the climate crisis, does not just jeopardize democracy, but can also be that, perhaps, which puts it back to work. Thank you.
Thank you very much. So we have 30 minutes for a discussion et avec le public aussi. Et peut-être que pour la lancer, je vous poserai une question à chacune afin de mettre vos deux interventions en dialogue. On a envie de vous poser comme question, quand on écoute votre présentation à côté de celle que vient de donner Isabelle, la question de comment vous mettez en rapport le jardin, les jardins et l'hospitalité. Ce que vous auriez à dire sur la question de l'hospitalité ou non dans ce faire communautaire que vous avez décrit. Et de même, Isabelle, il m'a semblé qu'on ne voyait pas beaucoup de jardins. Mais en revanche, il y a un café communautaire. Et donc, je me demandais ce que tu pensais de la présentation de Joël sur ce faire ensemble communautaire qui, au fond, s'opposerait à des formes plus radicales, peut-être plus discursives de critique. Par exemple, le collectif Place des Fêtes Solidarité Migrants, ému par la volonté de faire ensemble, et se différencie en cela, me semble-t-il, dans ce que tu as décrit, de celui du collectif de La Chapelle. Voilà, c'est ma question pour l'une et l'autre, afin d'initier peut-être une mise en rapport de vos présentations. Et puis nous ouvrirons ensuite la conversation au public. Oui, alors la question de l'hospitalité, évidemment, est un peu, on va dire, à la fois au centre et à la périphérie du jardin partagé. Au centre parce que effectivement il y a une puissance intégratrice du jardin partagé qui crée des conditions d'égalité absolument exemplaires. C'est-à-dire, comme on le dit aussi bien à propos des jardins pédagogiques que thérapeutiques, que tous les jardins qui sont utilisés aussi. J'ai été il n'y a pas très longtemps à Valence, dans une cité qui est une des pires de France, mais grâce à des jardins partagés, quelque chose s'est recréé du lien social et de la dignité humaine aussi, bien sûr. Et donc, là, clairement, il y a... voilà, ce qu'on dit, c'est qu'au jardin, tout le monde a quelque chose à faire. Vous pouvez être crippled, vous pouvez être handicapé, il peut vous manquer deux jambes, avoir des troubles mentaux hyper graves, vous pouvez ne rien y connaître ou y connaître beaucoup, au contraire, mais il y a une place pour tout le monde. Et cette affaire qu'il y a une place pour tout le monde au jardin, que tout le monde peut faire quelque chose et qu'il y a une place pour tout le monde, est déjà en soi, je pense, une certaine idée de l'hospitalité telle qu'elle est défendue, par exemple, par... Johann Stavo de Bauge, dans son très beau livre justement sur l'hospitalité qui est paru il y a peu de temps. Maintenant, je dirais que c'est aussi à la périphérie parce que le jardin se passe d'une certaine façon de l'hospitalité. En l'occurrence, les relations purement interhumaines ne sont pas de saison, si je peux dire. C'est-à-dire que le jardin crée une triangulation. Et en l'occurrence, il n'est un bien commun que dans la mesure où il accueille... Est-ce qu'il accueille ? Oui, il est en même temps. Enfin, il accueille et en même temps, il est créé par une multitude de gens. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, de savoir, c'est que l'ethnobotanique est née dans les jardins, enfin, en partie, dans les jardins communautaires de New York. Parce que, justement, ces jardins ont été développés par des quartiers d'immigrés relativement récents, où vivaient des communautés très différentes. Si bien que dans le même jardin, vous aviez du chou chinois, du soja, du piment latino, enfin, je dis un peu n'importe quoi. Bref, vous aviez toutes les plantes, avec des échanges de plantes d'ailleurs tels qu'un certain nombre de nouvelles plantes, en quelque sorte, sont nées, avec aussi d'ailleurs une architecture, il faudrait travailler sur ces questions-là, mais une architecture, je dirais, très culturaliste, dans la mesure où vous voyez à la fois quelque chose qui avait à voir avec la dacha, avec le cabanon, avec la casita, etc., etc., parce qu'il y a une architecture du cabanon de jardin, enfin, de la cabane de jardin, qui varie pas mal d'un pays à l'autre. Et donc, on retrouvait dans le jardin, d'une certaine façon, toutes les catégories ethniques, si je peux dire, de la communauté, enfin, du quartier, en l'occurrence, où il prenait. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. C'est toujours le cas. Et cette dimension multiculturelle, je pense que le jardin partagé est un très bon moyen de penser le multiculturalisme
tel qu'il avait pu être énoncé au début, c'est-à-dire dans les années 85-90 aux États-Unis, qui était l'idée finalement d'une participation multiple à une histoire commune. Et là, il y a quelque chose qui se joue là dans le jardin. Donc finalement, les choses se renversent. Au lieu d'attendre des uns et des autres qu'on soit hospitaliers en quelque sorte les uns vis-à-vis des autres, d'une certaine façon, on crée ensemble une structure ouverte à tous, hospitalière, qui met entre parenthèses la tolérance ou l'accueil ou le rejet, le nous, le, enfin voilà, ces systèmes de, d'emboîtement de communautés relativement closes les unes sur les autres ou les unes par rapport aux autres. Donc je crois que c'est un peu les deux. Ils ont tenté à un moment, là je réponds en français, hein, ils ont tenté au moment de l'occupation de faire un petit potager quand même, mais c'est quand même très minéral, hein, il n'y a pas beaucoup de verdure, mais il y a eu cette tentative, il y avait des poules, donc c'était assez surprenant, mais ça n'a, voilà, la désorganisation a fait que ce n'est pas quelque chose qui a pu vraiment se poursuivre, mais par contre il y a des enjeux, alors je sais pas si ça a quelque chose en termes de philosophie qu'on pourrait rapprocher des jardins partagés tels que ça a été exposé, il y a quelque chose d'important qui se passe autour de la préparation des repas, de la cuisine, de l'alimentation, et là du coup c'est quelque chose effectivement qui s'organise en commun, et il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire ensemble quand on parle pas la même langue, puisque ces occupants, la plupart d'entre eux ne pouvaient pas communiquer les uns avec les autres. Et il y a effectivement cette faire ensemble, en l'occurrence dans ce lieu, c'était préparer ensemble les repas. Et cette question aussi des repas, ça fait partie et de la nourriture, de ce projet-là de cafétéria itinérante. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent aussi autour de l'alimentation. Il y a une association de femmes africaines aussi qui intervient beaucoup dans le quartier et ça se passe aussi autour de la nourriture. Et la grande enquête collective qu'on avait menée dans les années 2000 sur un quartier pavillonnaire donc, qui a été traduit là sous le titre de Little Middles, il y avait des relations compliquées entre anciens habitants, nouveaux arrivants, donc c'était là en l'occurrence des réfugiés assyro-chaldéens. Dans les souvenirs importants des habitants qui étaient de l'histoire du quartier, il y avait les moments de repas de quartier où justement chacun venait avec les repas de sa propre culture et où là, il y avait quelque chose qui pouvait se partager. Et là aussi, indépendamment aussi de la question de la communication, on a beaucoup parlé de la parole ce matin, mais il y a des moments où il n'y a pas de parole commune. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je pense que le jardin et les repas sont qui peuvent se prendre en commun et se préparer en commun. C'est peut-être quelque chose de minimal, mais qui est peut-être aussi important pour penser ce que c'est que vivre ensemble et vivre les uns à côté des autres. Peut-être pour le moment, c'est ça qui me vient. On L'espèce va ouvrir les questions au public. Jeanne. J'ai une question pour Joël, parce que je trouve très intéressante l'idée que tu décris du jardin partagé comme expérience multiculturelle. La question que je me pose, c'est que les jardins partagés ou les associations qui s'occupent de jardins partagés que je connais un peu en banlieue nord parisienne sont quand même, pour ceux que je connais, très majoritairement en fait pratiquées par une classe moyenne blanche. Ce qui retire rien à l'intérêt de cette activité, mais je veux dire, ce n'est pas multiculturel, dans ce que je connais. Et donc, ma question, c'est, est-ce que toi, tu as rencontré dans ton travail des exemples, justement, en France, beaucoup plus multiculturels parce que c'est, en fait, moi, une des questions que ça me pose, et ça concerne plus généralement les mouvements écologistes alternatifs dans ces quartiers populaires français, c'est qu'il y a souvent, dans ces associations, l'intention d'être très inclusif et le plus ouvert possible et le plus accueillant possible à toute la diversité des habitants de ces villes, hein, qui sont pour le coup vraiment multiculturelles, mais que cette intention, en fait, dans les cas que je connais souvent, ne rencontre pas de succès. Enfin, en gros, y a quand même y a des barrières, en fait. Il y a plein d'obstacles à la participation des autres habitants, je pense pour plein de raisons, et notamment des personnes racisées. Donc je me demandais si tu avais rencontré d'autres exemples qui contredisaient ça. Merci beaucoup. Merci. Pour prolonger sur la place des fêtes, c'est effectivement plutôt les classes moyennes du quartier, quand il y a des petits espaces comme ça partagés. Mais donc, juste pour rebondir, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire ce café itinérant au milieu de la place, en fait, en se disant...
parce qu'il y a ces problèmes quand même, de, malgré la volonté d'ouverture, de ne pas forcément réussir à attirer des populations différentes. Oui. Alors, d'une part, oui, il y en a beaucoup. C'est le cas à Valence, c'est le cas à Avignon, enfin, en particulier dans le sud de la France, où on a des villes où il y a des, à la fois la possibilité de jardinage, un peu de terre ou des délaissés disponibles, et puis des populations sinistrées. Je dis sinistrées parce qu'elles le sont, mais évidemment, diversité culturelle et sinistre ne vont pas nécessairement ensemble. Enfin, là, il se trouve que dans le sud, c'est assez souvent le cas. Et donc, en particulier, le cas de Valence est très, très intéressant parce que là, il y a, en l'occurrence, disons, une combinaison entre une association qui est liée à la MGEN, un autre qui s'appelle Brin de Laine, je crois, et puis finalement aussi un jardin partagé à l'initiative. Parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais le jardin partagé est toujours bottom-up. C'est toujours une entreprise. Alors, ce sera la deuxième partie de ma réponse. C'est quelque chose qui vient de la base, d'une certaine façon. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. On ne dit pas, ah ben voilà, un jardin partagé, tac, 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 on fait les parcelles, et puis toi, je te mets là. Ça ne marche pas comme ça. Historiquement, ça n'a jamais marché comme ça. Historiquement, c'est plutôt comme, disons, un acte, encore une fois, d'autogouvernement qui est à l'origine du jardin et qui assure le fonctionnement et qui lui confère son caractère durable aussi. Parce qu'il y en a, c'est très durable. Alors maintenant, l'autre problème, l'autre aspect, c'est qu'effectivement, en France, ce n'est pas un hasard si on a quelque chose comme 300 fois moins de jardins partagés qu'en Allemagne ou qu'aux Pays-Bas. C'est que le paternalisme suprémaciste, féodalo, monarchique a prévalu aussi en ce qui concerne le jardin partagé, à savoir que, en fait, un certain l'abbé Lémire, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, bon, qui a aussi de très bonnes intentions, mais qui va être à l'origine de ce qu'on appelle la Ligue du coin de terre et du foyer, va imposer une vision totalement paternaliste, moralisatrice, rigoriste, du jardin partagé, l'encadrer à la fois religieusement et républicainement, avec l'idée que finalement le jardin partagé, il faut, enfin, il appelle ça, c'est ce qu'on appelle les jardins familiaux et ouvriers, ce qui d'ailleurs peut être un petit peu mis en rapport aussi avec les jardins du capitalisme paternaliste américain à la Pullman ou à la Trump peut-être, je ne sais pas, enfin en tout cas, bon, voilà. En tout cas, Pullman, Rockefeller, etc., qui avait un village ouvrier avec tout ce qu'il faut. Ça aussi, ça fait d'ailleurs beaucoup écho à la ville modèle, à la cité idéale, à la Godin, à la Le Corbusier aussi. Donc, on a toute cette ambiance-là qui permet de comprendre que le jardin partagé a tellement été encadré en France, il a tellement été associé à la volonté de moraliser les masses incultes, de les éduquer, de les tenir en dehors des cafés et d'empêcher les mecs d'aller dépenser toute leur paye en alcool au moment où ils la touchaient, évidemment, on peut dire que le jardin partagé, il était un peu vidé de sa substance et il a été très uniformisé à cause de ça. Et du coup, c'est le cas à Marseille, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits, c'est le cas aussi dans toute la banlieue, la région parisienne ou autour de Rennes, etc. Il y a des listes d'attente pour accéder au jardin partagé. C'est assez compliqué d'obtenir une parcelle parce que le nombre est trop réduit et du coup, il y a comme un entre-soi, un système de cooptation qui fait qu'ils n'ont pas du tout la diversité, je dirais, culturelle, religieuse et ethnographique qu'ils pourraient avoir dans d'autres pays où ils se sont développés de manière infiniment plus libre. Par exemple, je vous donne en Russie, je sais que le système du jardin partagé qui perdure jusqu'à aujourd'hui est vraiment adossé à la pluralité de classe, la pluralité sociale. Et ce qu'aiment bien les Russes, moi j'ai lu des entretiens, etc., mais ce qu'ils aiment bien, c'est que le gros riche qui a réussi dans le high-tech, le gros capitaliste, plus ou moins d'ailleurs, plus ou moins délinquant, on va dire, économiquement parlant, et le petit ouvrier de base, ils sont habillés pareil, ils portent les mêmes vêtements dans le jardin, parce que évidemment on va pas mettre ses vêtements de sortie, hein, ou
ses vêtements de classe, disons, pour aller au jardin. Donc tout le monde est habillé un peu pareil. Et les Russes aiment ça, ils en parlent beaucoup. Disons qu'il y a entre. Et du coup, ce qui explique aussi que dans un jardin russe, un jardin partagé russe, en fait, il y a toutes les classes sociales. Il peut y avoir aussi, d'ailleurs, de nombreuses ethnies différentes. Et d'ailleurs, ils tiennent beaucoup à ce système, ce qui explique qu'ils interdisent, mais ça c'est le cas de tous les jardins partagés, qu'on construise des murs. C'est-à-dire que les lopins individuels sont marqués spatialement par des petites barrières, ça peut être des végétations, des rangs de ceci ou de cela. Donc ils sont très bien dessinés dans l'espace, mais il est absolument interdit de séparer les parcelles de telle manière que le regard ne pourrait pas embrasser tout le jardin d'une certaine façon. Et donc, il y a quand même la datcha, où on peut un peu s'isoler. Mais enfin, l'idée, c'est que cette forme d'égalité non spectatorielle, mais qui n'est pas une égalité d'identité, mais qui est vraiment une égalité de conditions, tout le monde va être penché sur ses carottes, ses poireaux, et avec les mêmes vêtements, les mêmes outils. Ça, c'est vraiment quelque chose qui compte. Donc, c'est un autre exemple ici, mais j'en ai plein, effectivement. Emmanuel ? Oui, merci. J'avais une question aussi sur le concept de jardin partagé et sa forme historique. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris à quel point le jardin partagé était une forme historique ou sociologique, ou à quel point c'était un concept que vous utilisiez pour parler de la démocratie. Parce qu'il me semble quand même que, par exemple, vous avez fait intervenir dans votre exposé Jefferson, la démocratie agraire américaine, etc. Alors à la fois là, c'est pas du bottom-up, c'est la partition du territoire américain en parcelles qui implique quand même la question, enfin qui pose la question de savoir à qui était le territoire avant, parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient là, alors qui faisaient pas de l'agriculture, hein, mais justement c'était le problème qu'ils fassent pas de l'agriculture. Donc on a pu s'approprier à la LOC. Justement, j'étais un peu interpellée par votre interprétation de Locke, parce que c'est quand même de l'accaparement. Vous nous dites Locke, c'est pas de l'accaparement. En fait, c'est quand même la fondation de la propriété privée. C'est justement le travail de la terre. C'est ça qui vous donne le droit à, non seulement au fruit de la terre, mais à la terre que vous cultivez. Et donc, l'intervention de la monnaie devient un problème parce que ça fait gripper le système à la fois des besoins et de la capacité de consommation. Mais je n'ai pas compris si, par exemple, l'argent partagé, la forme du jardin partagé s'appliquait au moment de Jefferson, s'appliquait à Locke, s'appliquait à tout ça, ou si c'était des formations plus contemporaines. Et je ne suis pas sûre non plus d'avoir compris complètement la typologie du jardin collectif et du jardin partagé. Parce que, par exemple, les jardins ouvriers, c'est des jardins collectifs, c'est du collectif, c'est de l'administrer par le haut. Ma grand-mère avait son jardin ouvrier dans la banlieue parisienne, elle y allait, j'ai passé beaucoup de temps dans un jardin de la banlieue sud de Paris, et c'était son jardin. Et en même temps, c'était un jardin collectif, effectivement, mais c'était très administré. Et en même temps, il y avait des espaces de créativité. Donc, pour moi, c'était du très collectif, au sens où c'était dans ce que vous aviez dit, là, de trucs administrés par en haut, moralisateurs. Alors, pour le coup, c'était aussi une façon de... Ma grand-mère, c'était une paysanne elle était née à la campagne, ses parents étaient des paysans sans terre. C'est toute cette génération qui est dans les années 20 partie dans les banlieues parisiennes pour devenir ouvrier. Hein. Ses parents étaient ouvriers, elle était ouvrière. C'était quand même un système de gestion des classes ouvrières. C'était pas donc, mais dans ces jardins-là, qui étaient des jardins collectifs administrés par en haut, il y avait aussi des formes de créativité, d'échange, de etc. Donc, je me posais de la question à partir de ces dimanches passés dans ce jardin ouvrier, de la frontière entre le collectif et le commun. Est-ce qu'elle est si clairement délimitable que vous le dites voilà. Alors, merci de ces questions. Enfin, c'est chaque réponse pourrait durer très très longtemps. Alors, je vais essayer de ramasser le propos. La distinction que j'ai faite entre jardin commun et jardin collectif, ou entre jardin partagé et jardin collectif, est liée au mode d'occupation, simplement, de la parcelle et d'attribution des parcelles. C'est-à-dire, dans un jardin collectif, disons que tout le monde, enfin, ou en plus exactement tous les membres du jardin collectif, participent
à la culture du jardin sans avoir la responsabilité d'aucune parcelle individuellement, si vous voulez. Et donc, en fait, le jardin collectif n'est pas subdivisé en lopins qui est placé sous la responsabilité d'un des membres du jardin. Mais en revanche, tout le monde va, par exemple, travailler au compost, tout le monde bêche au moment du bêchage, tout le monde greffe au moment où il faut greffer, tout le monde, voilà. Et en fait, donc, il doit prévaloir dans un jardin collectif une forme de division des tâches qui n'existe pas dans le jardin partagé, où chacun, si vous voulez, et c'est en ça que Maria Montessori ou que les jardins thérapeutiques sont importants, c'est chacun, comme disent les vétérans, moi, je plante une graine et au lieu de donner la mort, je fais grandir une vie. Et au lieu d'être soigné, je soigne et je vais de A à Z de ma tâche. Et en fait, la forme d'indépendance économique ou en termes d'économie réelle, la forme d'indépendance que procure le jardin est aussi une indépendance occupationnelle. C'est-à-dire que le jardin collectif, lui, recrée des conditions de division, de hiérarchie, d'inégalité que, évidemment, le jardin partagé, quant à lui, évite. Maintenant qu'il y ait des quantités de cas un peu hybrides, ça, c'est une évidence, il y a effectivement des cas institués d'en haut, il y a effectivement des jardins administrés en raison d'une tradition qui ne dit plus son nom ou dont l'origine a été perdue de vue, etc. Il y a par ailleurs des nouveaux jardins partagés qui ont... disons une grammaire très très lisible avec des textes publiés sur l'internet auxquels vous pouvez accéder des quatre coins du monde, etc. Donc avec des chartes très explicites qui sont d'ailleurs renégociées ou amendées au fur et à mesure des besoins, etc. Donc on a toutes sortes de formes qui peuvent parfois se mélanger, qui parfois existent d'une manière assez chimiquement pure, si je peux dire. Mais clairement, le jardin partagé, pour moi, j'en ai fait... je dirais pas un idéal type, mais enfin en tout cas une espèce d'idéal qui me semble non pas représenter une réalité objective et tangible dans tous les cas de figure qui peuvent se présenter, mais un élément d'une réalité. Alors c'est le cas chez Jefferson, c'est le cas chez Locke aussi, enfin, Locke c'est un peu particulier, mais en tout cas chez Jefferson, c'est vrai que Jefferson est loin d'être parfaitement cohérent. Il est loin d'avoir mis en pratique tout ce qu'il a préconisé. Ça n'est pas quelqu'un qui a écrit des textes systématiques, loin de là, puisqu'il n'y a que des écrits éparpillés. Cela dit, il y a chez Jefferson une opposition, par exemple, à la pensée physiocratique et une opposition au latifundisme qui est essentielle, il me semble, pour comprendre l'une des sources de l'invention, en quelque sorte, de la démocratie américaine ou de la démocratie dans le monde. Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas de Jefferson spécialement, mais il s'agit de repérer ce qui, chez Jefferson, est porteur d'une utopie jusqu'à aujourd'hui. Ce pourquoi, d'ailleurs, par exemple, John Dewey relit Jefferson et publie ses textes. Donc, il y a du Jefferson qui est mort et à enterrer, sans doute, mais il y a du Jefferson qui est vivant. Alors, moi, je m'intéresse toujours à cet aspect-là. Moi, Jefferson, Tocqueville d'ailleurs avait une immense admiration. Même chez Tocqueville, il y a aussi un Tocqueville qui est mort et un Tocqueville qui, quant à lui, est très vivant. Donc, et en particulier, Jefferson, lui, un peu d'ailleurs dans la tradition de Locke, a imaginé justement le gouvernement démocratique comme non pas une division des pouvoirs, mais comme un système, comme il dit, de gradation des pouvoirs, tel que le paysan, qui est finalement l'unité première de l'autogouvernement, que le paysan puisse se gouverner sans un maître, que le paysan puisse décider de toutes les affaires, comme il dit, qui sont placées sous ses yeux, et que ce que fait le paysan ne soit pas décidé à Albany ou à Washington. Mais tout ça n'était possible que dans la mesure où le paysan, quant à lui, avec sa famille, etc. D'ailleurs, c'est des idées très, très anciennes qu'on trouve chez Olivier de Serres, etc. Mais enfin, que le paysan, quant à lui, cultive sa parcelle sans recourir... D'ailleurs, il a tout un système, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il cultive sa parcelle sans recourir à un travail mercenaire.
C'est-à-dire qu'il cultive de lui-même, par lui-même, pour lui-même. Alors ça, c'est vraiment un peu la, une base, mais qu'on va retrouver, par exemple, regardez l'histoire de Savannah, c'est complètement incroyable, puisque Savannah est un état non esclavagiste, enfin une ville non esclavagiste, anti-esclavagiste. L'esclavage va être interdit par son fondateur Oglethorpe, qui d'ailleurs a un deal avec les Indiens. Les Indiens qui cultivaient, hein, d'ailleurs, c'est pas vrai que les Indiens cultivaient pas, sinon il n'y aurait même pas Thanksgiving. Enfin, ils savaient faire pousser le maïs, par exemple, et puis le. Non, mais c'est vrai. Donc il y a des peuples cueilleurs, chasseurs, et en même temps agriculteurs qui faisaient pousser des plantes. Ça dépendait des peuples, d'une part, et ça dépendait aussi des régions et des saisons. Et c'est intéressant d'ailleurs de revenir sur ces questions-là. Mais en tout cas. Voilà, qui à Savannah, donc ce Oglethorpe, là, on est en 1740. Hein, donc, imagine justement un système autogéré de, disons, de jardins partagés à l'échelle de toute une ville. Donc, c'est vraiment un des premiers exemples d'agriculture urbaine démocratique qui voit le jour à ce moment-là. Et donc, ce qui est important toujours, c'est de ne pas faire appel à un travail, à un mercenaire, à un paysan sans terre. Ce que Marx, d'ailleurs, identifie très bien avec la Révolution française. Je veux dire, c'est la Révolution française qui crée le paysan sans terre. Ça, il le voit. Enfin, il y a un passage absolument magnifique dans le Capital. Bon, après, il y a d'autres passages où, là aussi, voilà, où les paysans sont comparés à un sac de pommes de terre, totalement désocialisé et primitif. Bon, et incapable d'une vie politique authentique. Mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Voilà, donc, je ne sais pas si ça répond. Après, il y a Locke. Bon, là, je crois que j'arrête. On va prendre peut-être une dernière question. Nadège. Je veux juste dire une citation encore. Enfin, c'est chez Jefferson qu'on voit son opposition au latifundisme, à la plantation finalement. Et aussi une opposition, bien sûr, à cette division-là du travail qui fait appel à, disons, c'est le propriétaire non occupant et au travail mercenaire ou esclavagisé. Et par ailleurs, aussi à l'agriculture industrielle, il dit, en accord avec bien d'autres d'ailleurs à l'époque, le tabac et le coton sont des cultures qui sucent le sang de la terre. Et donc, je crois que tout ça doit être mis en relation. Et cette vision jeffersonienne, moi, me semble jusqu'à aujourd'hui très holiste et très, très complète pour penser l'écologie politique. Merci beaucoup Isabelle Couton pour votre présentation. Je voulais vous demander donc par rapport à l'ambiguïté en fait que vous décrivez de votre propre ressenti dès le début sur ces terrains, comment est-ce que vous êtes rapproché de ce terrain en plus d'être donc du coup d'avoir votre fils dans cet établissement, comment est-ce que vous êtes inséré et comment est-ce que vous avez vécu le développement de ce militantisme? Est-ce que ce ressenti du début a évolué avec ce terrain? Est-ce que vous avez trouvé votre place et du coup vous en avez ressenti quelque chose? Et aussi le café associatif, est-ce qu'il existe toujours? Et est-ce que vous savez s'il a tenu un rôle dans... Il y avait une grosse mobilisation des Gilets jaunes Place des Fêtes cette année. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un terreau très fertile en fait Pour ce qui s'est passé. C'est plus facile de répondre par la fin et revenir à votre question première après. Ce café, oui, il se réunit toujours une fois par mois et pour le coup, il a obtenu une subvention de la ville de Paris dans le cadre du budget participatif de la ville, donc pour être pérennisé. Et donc ils sont un peu embêtés d'ailleurs parce qu'il faut qu'ils investissent cet argent, donc ils vont acheter des garages. Des camions itinérants, mais donc voilà, c'est quelque chose qui a même pris un peu d'ampleur. Mais effectivement, avec toujours cet enjeu que ce soit dans l'espace public, parce que dans l'espace public, les gens sont plus à l'aise. Comme c'est quand même une initiative de classe moyenne, il y a toujours ce problème-là de comment on s'ouvre à d'autres milieux sociaux. Et ne serait-ce qu'à travers les enfants, en fait, le fait que ce soit sur la place, dans les rues, à travers les enfants, les familles... s'approche, quoi. Donc, ça, c'est pérenne. Il n'y a pas de lien direct entre les occupations qu'il y a eu de la place par les Gilets jaunes et d'autres associations locales, et notamment l'occupation de la place des Fêtes par les Gilets jaunes. Il y avait quelques habitants de la place, mais ce n'était pas une initiative locale, en fait. Hein. C'est qu'à un moment donné, ils ont décidé d'occuper cet endroit-là. Donc, c'est vrai que c'est un quartier qui a toute une histoire et une histoire de lutte.
Et donc, il y avait eu à un moment donné aussi au moment de la Nuit debout, Place des Fêtes debout, il y a eu, mais bon, c'était plus lié au mouvement un peu mouvement anarchiste dans le quartier. C'est pas tout à fait la même histoire. Mais par contre, le fait qu'il y ait une dynamique locale, c'est possible aussi que sur ces luttes-là, qui ne sont pas forcément reliées à celles que j'ai étudiées, ça participe aussi quand même de quelque chose qui monte sur l'ensemble de l'espace local. Sur la question de ma place, comment j'ai mené l'enquête, au début, je l'ai menée plutôt de l'extérieur. Je n'avais pas forcément prévu de rentrer à l'intérieur du bâtiment et de faire un travail auprès des migrants. Je voulais vraiment faire un travail sur ce que ça produisait localement. Et quand j'ai décidé de faire l'enquête, je ne savais pas du tout quelles allaient être les suites et les conséquences. Il y avait vraiment beaucoup de conflits. Donc, j'ai commencé par aller dans les réunions locales, à prendre des notes, faire plutôt de l'observation et à repérer un peu quels étaient les acteurs en présence. Donc, ça, c'est le premier temps de l'enquête. J'étais un peu extérieure. Après, j'avais des collègues de travail qui étaient dans le collectif initial, collectif La Chapelle dont je parlais. Donc, j'avais quelque chose, une approche un peu périphérique. C'est peut-être aussi une manière pour moi de me protéger. De regarder ça un peu de l'extérieur. Et puis quand j'ai su que le bâtiment allait être évacué, je me suis dit que c'était pas non plus, enfin qu'il fallait que je, enfin voilà, qu'il fallait quand même que je rentre pour rencontrer ces nouveaux voisins. Et aussi avec cette entrée de me dire, faut que je sache qui sont ceux qui sont en lien avec le voisinage. Je m'étais dit au début, je vais travailler seulement sur les représentants, les délégués, ceux qui avaient été élus. Et en fait, l'enquête, mais ça, c'est toujours comme ça, l'ethnographie. Ceux qui en pratique le savent. On choisit pas la place qu'on a sur un terrain. Et on prend celle qu'on veut bien nous donner. Et moi, j'ai été complètement captée par les Afghans Pashtuns, en fait. Et donc, c'était notamment leur représentant qui parlait toutes les langues. Donc, en fait, il avait un pouvoir énorme. C'est-à-dire le capital linguistique dans des situations comme celle-là, c'est énorme. C'est un pouvoir énorme. Il maîtrisait totalement l'information. C'était le seul qui pouvait faire totalement le lien avec l'extérieur et à l'intérieur du lieu. Et donc, c'est lui que j'ai rencontré un peu dans les premiers. Et donc, du coup, j'ai été un peu captée. Je me suis retrouvée aussi, moi, à donner des cours de français. J'ai été invitée à dîner, prendre le thé. Et après, en fait, ça les aurait heurtés. Enfin, si je rentrais dans le bâtiment, il fallait que j'aille chez eux. Et ce qui était assez troublant dans cette expérience, c'est que c'est eux qui nous recevaient, en fait. C'est-à-dire qu'on était leurs hôtes à l'intérieur du bâtiment. C'était assez troublant comme expérience. Et donc, j'ai ce deuxième temps de l'enquête qui m'a un peu échappée. Et puis, donc, je parle un petit peu dans le livre. Et après, j'ai repris une posture plus... Une fois qu'ils sont partis, j'ai gardé des liens avec certains d'entre eux, puisque je me suis liée, du coup, avec certains d'entre eux, ce que je n'avais pas prévu, dont un qui est aux États-Unis maintenant. Et puis, après, j'ai repris mon... Après, comme j'avais repéré un peu les acteurs en présence qui étaient actifs localement, j'ai fait mes entretiens après l'évacuation, en fait, une fois qu'ils sont partis. Les entretiens sur le quartier lui-même. Donc voilà un petit peu sur la manière dont l'enquête s'est menée, qui m'a un peu échappé. C'était troublant, c'est une enquête de sciences sociales un peu bizarre, hein, puisque effectivement tout est quand même très brouillé au niveau des places, des émotions. Et c'est souvent, plus que d'habitude, quoi. Voilà. Je vous invite tous à féliciter nos participantes. C'est la fin de la séance.